Et salut tout le monde, c'est Sandu 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Paper Mario. Alors si vous vous souvenez bien, la dernière fois on avait commencé le nouveau chapitre qui nous opposait face aux espèces de samouraïs, voilà. Et on continue notre avancée et il y avait le roi de ce pays qui nous parlait. Le trésor repose devant la 26e porte. Prenez ce cœur pur, vous l'avez amplement mérité. Alors est-ce que ça serait l'un des premiers chapitres? Qu'est-ce que... Pourquoi il y a un coffre là? Est-ce que ça serait l'un des premiers chapitres où on a le cœur pur au bout du deuxième épisode? Non, je pense pas, moi. Aïe. Mais cette explosion ne vous a même pas décoiffé. Elle ne vous a absolument rien fait. C'est trop nul. Il est bizarre, lui, hein. Vous croyez vraiment que vous alliez vous emparer du cœur pur aussi facilement? Dans vos rêves, bande de héros à la noix. Mimimimik. Ah, ben la revoilà, elle, Mimik. Surprise, c'est moi, Mimik. Vous êtes tellement naïf, vous pensiez que le roi allait vous donner le cœur pur. Il est probablement en train de se faire une petite... Il est probablement en train de faire une petite sieste dans son lit douillet. Il dort à point fermé alors que son monde bien-aimé est sur le point de disparaître. Mimik, le temps presse, ne te mets pas en travers de notre chemin. Imbécile, je suis ici. Si je suis ici, c'est justement pour me mettre en travers de votre chemin. Elle est énervée. Par contre, sa tenue japonaise, là, avec son kimono, là, c'est super joli, je trouve. En fait, Mimik, elle a toujours des vêtements classe, hein. Le comte n'est pas assez méchant avec vous. Moi, par contre, adieu les héros. Nya, elle va encore se transformer. Ouh là 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 là. Alors, est-ce qu'on devrait... je pense que... En fait... Ah non, il faut l'abattre. Ok, très bien, on va devoir l'abattre. Alors, ça me fait du mal, Mimik, hein, parce que moi, je t'aime bien, mais... Ouh, il nous fait une roue. Ah vas-y, tiens. Bam. Oh mais sérieusement quoi, attendez. Je crois qu'il faut que je prenne ça. Voilà, vas-y. Non, attends. Voilà, il faut prendre ça et les envoyer, voilà. Alors, voilà, super. Vas-y, envoie-le. Et ben voilà, il lui en reste plus qu'une. Et attends, Mimik, voilà. Alors, on va la défoncer, vous en faites pas. Oh putain. Elle est relou et je déteste les combats dans ce jeu, parce que, regardez, enfin, j'adore ce jeu, mais pourtant, les combats, ils sont vraiment à chier, hein. Enfin, excusez-moi du mot, mais, voilà, c'est vraiment, c'est la vérité, en plus, les combats, ils sont vraiment nuls, comparé aux autres Paper Mario, c'est la seule chose que je peux, le seul point négatif de ce jeu, c'est ça, hein, les combats, et peut-être, l'histoire, elle est excellente, c'est l'un des, enfin, l'un des meilleurs Paper Mario au niveau d'histoire. Au niveau de l'histoire, il y a aussi Paper Mario 2 qui est pas mal. Même si, bon, je n'aime pas trop Paper Mario 2. C'est juste un avis personnel, hein. Il n'y a rien de subjectif là-dedans, c'est juste que j'aime pas trop ce jeu. Il m'a fait du mal pendant mon enfance. Non, c'est... Bon, voilà, j'aime pas trop Paper Mario 2. Par contre, ce Paper Mario, elle est en train de me défoncer. Mais comment je peux faire, là? Attendez, elle est en train de me défoncer, on est d'accord. Voilà, enfin, je lui fais des dégâts, quoi. Mais purée, et elle est relou. Tiens. Et attendez. Heureusement que j'ai fait une hélice. Enfin, au début de l'épisode, je suis allé rechercher les objets que j'avais déposés à la boutique. Parce que sinon, là, je serais mais vraiment dans le caca. Hein. Allez, vas-y, mais meurs, mais Mimik. Mais tiens, Mimik, mais... C'est pas vrai. Attendez, voilà. Tu prends ça, tu lui envoies. Bam. Oh non. Espèce d'enfoiré, je t'ai même pas touché. Mais c'est pas vrai, mais elle est incroyable, elle. Attendez. Bowser, ben oui, pourquoi je... Bowser, tap, tourni, picou. Ben picou. On a juste à faire ça. Voilà. Ben oui. Oui. Ben ouais, elle était un peu nulle, en fait. Ça fait super mal. Vous n'êtes rien qu'une bande de brutes qui tapait sur les jolies filles. Mais ça n'a absolument plus aucune importance. Tout se passe comme prévu. Vous ne me croyez pas? Levez les yeux vers le ciel. Ouais, enfin là, ouais, c'est vrai que le vortex, il est vachement gros quand même. Hein. Il pourrait très bien nous aspirer. Hein. Le vortex, il est gigantesque. Merci, Tipeee, hein, Captain Obvious. Mimi, mon but était de vous faire perdre du temps, mes mignons. J'imagine que vous allez arrêter de chercher ce stupide cœur pur à présent. Cette psychopathe essaye seulement de nous retenir. C'est bien, je vois que vous n'avez pas oublié de mettre votre cerveau aujourd'hui.
Vous avez dit que j'étais plus méchante que le comte. Bon, je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps à m'amuser avec vous, mais cet endroit ne va pas tarder à faire boum. À plus, mes mignons. Ok, bah super, hein. L'endroit va pas tarder à faire boum, donc je pense qu'on devrait partir nous aussi. Mais pas avant d'avoir trouvé le cœur pur. Parce que Mario, il est quand même. Il faut trouver le cœur pur avant quand même. Alors, est-ce que. Ah non, ils se sont fait encore battre, hein, les samouraïs là. Oui, et donc ce que je voulais dire. Je voulais m'excuser de l'apparition des épisodes sur la chaîne de Papa Mario. J'étais malade, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de Zelda, parce que les épisodes de Zelda, j'avais tourné en avance. J'étais malade. Je sens que, enfin, je sais pas si ça se sent un peu dans ma voix, mais je suis un peu malade. C'est la période des allergies, hein. Enfin, voilà. Moi, c'est le calvaire. Hein. C'est pour ça que je déteste. Je déteste cette période de l'année là, si près, toute la clique. Là, c'est vraiment chiant. Surtout dans notre région, là, il y a beaucoup de cyprès, beaucoup d'arbres, beaucoup de pollen. Bon. Voilà, c'est pas la pollution qui me dérange, c'est juste le cyprès et tout ça. Bon, je suis allergique. Comme peut-être ceux qui m'écoutent là, un moment. Il faut faire une pétition pour les cyprès si vous êtes allergique au cyprès. Et qu'est-ce qu'il a, lui, on dirait un zombie? Ah, on est foutu! Rien ne peut l'arrêter! Ah! Ouais, bah là, tu m'étonnes quand même. Il est vache, il devient de plus en plus gros. Et oulala! Ah! Ah! Ok. Ouh là là, nous devons y arriver. Nous ne pouvons pas échouer. Non, pas maintenant. Nous sommes si près du but. Ouh là 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 là. Oh, l'écran, il fait n'importe quoi. Ah non, Mario. Le comte Niark. J'ai l'étrange impression de l'avoir déjà rencontré. Attendez, mais oui, je le connais, j'en suis sûr. Mais comment? Quand? Qui est-il? Je ne m'en souviens pas. Mario, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il y a? Qui va là? Bouah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis moi-même légèrement décontenancé, c'est difficile à dire. En tout cas, il semblerait que nous soyons de retour à Recto. Ah oui, là vous êtes fait dégager, hein. Mais qu'en est-il du roi Sam Ourai et de ses Sadurai et du cœur pur? C'est bizarre quand même, hein. On s'est fait éjecter de la porte. La porte qui mène à ce monde est toujours là. Je me demande, oserions-nous y retourner? Oui, je crois que nous devrions passer cette porte. Ben oui, bien entendu, nous on doit chercher le cœur pur, il faut repasser cette porte, c'est important. Mais qu'est-ce que. Enfin là, chapitre 6, hein, on reprend tout. Oula. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. On est dans un monde tout blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne reste plus rien. Ah ben oui, l'imprimante elle a plus d'encre là, hein. Attendez, je ressens quelque chose de très faible, c'est le cœur pur. Je doute qu'il reste quoi que ce soit ici, mais nous devons jeter un coup d'œil. Oh là là, et regardez, on est dans un truc tout blanc. C'est trop bizarre. Ah, je m'en souvenais plus de ça d'ailleurs. C'est vrai que ce chapitre, j'ai pas. Oh, il y a les vestiges du monde un peu là. C'est vrai que ce chapitre, je m'en souviens plus trop. Je m'en souviens même plus qu'il y avait un truc tout blanc comme ça là. Bon, ben ce truc s'est fait totalement défoncer. Ah, ben voilà, il y a un truc. Est-ce qu'il y a un truc? C'est quoi ça? Ah non, c'est encore des vestiges de je sais pas quoi, mais écoutez. C'est très très bizarre quand même, hein. D'ailleurs, je me demande ce que Mimic foutait là, parce que Mimic s'était fait engueuler par le comte, je crois, la dernière fois. Le comte qui lui avait dit de rester là où les sbires se font leur petite réunion habituelle. Et finalement, elle a désobéi un peu, non? Ou peut-être que c'est le comte qui lui a demandé de venir. En tout cas, c'est très très étrange. Et je crois que ce truc est sans fin. J'ai l'impression que c'est comme l'escalier de Mario 64, là. Tu peux pas. Tu t'es obligé d'y aller avec Mario. Enfin, ça c'est que pour Mario 64 DS. Parce que dans Mario 64 DS, t'avais 4 personnages. Il fallait que tu passes l'escalier avec Mario. Sinon, si c'était avec Luigi, Wario ou Yoshi,
et ben tu ne pouvais pas passer parce que l'escalier était infini. Voilà. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Pourtant, j'ai l'impression de revivre à chaque fois la même chose. C'est bizarre de regarder les trucs par terre et tout. J'ai l'impression d'avoir tout déjà vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Serait-ce? Ah bah oula, c'est le cœur pur, hein. Cela me paraît impossible, mais il a survécu à l'annihilation de ce monde. Cependant, son apparence est un tantinet est étrange. Hé, cet endroit est plutôt déprimant à présent, vous ne trouvez pas? Encore mimique? Ah non, Mister L, son grand retour. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que votre cœur pur est cassé. Il faut croire que les cœurs purs ne peuvent résister à la fin du monde. Mais peu importe, je vais m'en parer quand même. Je vais m'en parer quand même, juste pour le fun. Oh non, Mister L, laisse-nous ce cœur pur quand même. Même s'il est tout en pierre, il nous le faut quand même. Ah, c'est toi, difficile de te rater avec cet ensemble chemise rouge salopette bleue. Tu es ce type que nous avons affronté dans l'espace. Plutôt cool cet Opus Tenebrus, non? En fait, Tipeee lui pose une question, il répond même pas, quoi. Tout ce que le comte n'aime pas, pouf, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Bon, je dois y aller. Restez en dehors des affaires du comte, si vous tenez à la vie. Comment ça? On va te défoncer, nous. Nous devons arrêter le comte Nyark. Maintenant, rends-nous le cœur pur, vil crapule. C'est un combat que vous voulez? Fort bien, je ne voudrais pas vous décevoir. Frère Robot, go! Ah, encore un combat avec le frère Robot. C'était pas mal, ça. Ah, trop bien. On a encore le frère Robot. Oh, bah, par contre, il a changé de design. Regardez-moi ça. Cet engin débarque des technologies dernier cri. Laissez-moi vous présenter le frère Robot L. Est-ce que ça va être comme le combat de l'autre frère robot ou ça va être un nouveau? Je pense un nouveau. Le tonnerre vert ne craint personne. Comme un éclair, il tourbillonne. Cette salopette est vraiment has-been. Je l'ai déjà vue. Je l'ai assez vue à nous deux. Ok, bon, frère robot alors. On va se battre contre lui. Alors, Tipeee, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à nous dire? Le frère robot type L, Mister L, a mis tout ce qu'il avait dans ce modèle. PC Max 64, attaque 5 et défense 4. Défense contre le feu 8. Ses attaques sont identiques, mais il peut maintenant vous frapper avec ses membres. Il a l'air vulnérable aux explosions. Essayez de lui envoyer Bombi dans les pieds. Souvenez-vous, après avoir posé une bombe... Ouais, bon, d'accord, merci Tipeee. C'est pas comme si Bombi, on l'avait au début de l'aventure et on l'avait utilisé 3 milliards de fois. Eh tiens,